Pour faire face à la crise, une provision exceptionnelle d'un milliard d'euros va être proposée ce lundi midi à la Chambre. Cela devrait permettre notamment de faire face à toute dépense jugée indispensable pour protéger la santé des citoyens. On écoute le ministre du Budget, David Clarinval, au micro de Pierre Alterman. Je leur ai proposé que l'on puisse augmenter la provision interdépartementale de 1 milliard d'euros afin de faire face aux différents défis qui sont devant nous, pour pouvoir notamment éventuellement acheter du matériel, aider les hôpitaux, mais aussi pour pouvoir aider les secteurs qui sont confrontés à la crise. Alors on utilise ce mécanisme parce que c'est un mécanisme qui permet d'être souple, rapide, et de pouvoir très rapidement répondre aux attentes de nos citoyens. On a obtenu un accord de principe, nous le présentons cet après-midi en commission, et je ne doute pas un instant que les 10 partis qui soutiennent maintenant le gouvernement voteront la création de cette provision interdépartementale.